Il y a des petits sentiers sympas aussi en Dordogne. Entre Bouzic, tout ça là. Sympa. Ah, c'est mignon, hein. Ah, j'adore. Haute pression. Là, c'est caillouteux. Faire attention aux cailloux quand même. Super sympa. Moi, j'aime le VTT parce qu'on passe dans des chemins que je ne peux pas pratiquer en buggy. C'est vrai que c'est... J'adore, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Si ce chemin est étroit là, c'est... En plus c'est pas grave quoi, il a plu, c'est... Le terrain est pas mal. Par contre je descends, mais il faut remonter. Ça va faire mal. Qu'est-ce que c'est joli. On va chercher loin de chez nous des fois, alors que là juste à côté il y a le paradis. Moi je remercie tous les gens qui partagent leurs traces sur Pegawatt, parce que franchement c'est grâce à ça qu'on peut découvrir des choses comme ça. Alors, on dirait pas, la mission, hein, les gars, c'est pas du tout. Très technique, ça rend pas compte en vidéo, je sais. Il y a des marches qui font une trentaine, ouais, une vingtaine de centimètres avec des pierres partout, pas de descendre vite, mais c'est génial. C'est que là. Bon, j'appuie tellement fort sur les mains que j'ai des fourmis. Ça, c'est atroce. Tellement on appuie fort. Oh, mais il est sympa à descendre, les gars. Ouais, donc là, je suis en bas de Campagnac si je comprends bien. Non, il y a une connerie. Je sais pas où je suis. Non. Aucune idée. Je suis sur ma trace. Ah, je fais n'importe quoi. Je m'embrouille dans les vitesses d'avoir roulé avec un VTT qui n'est pas le mien. Vendredi, aujourd'hui je m'embrouille. Bon allez les amis, je vous reprends tout à l'heure. Dans un autre chemin ou un sentier, je sais pas, on verra. Aujourd'hui je vais pas filmer les côtes, ça sert à rien.
Allez, je vous laisse.